Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire, regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. J'aime beaucoup notre voiture. Et notre voiture nous aime aussi beaucoup, c'est pas vrai? Oulala, la voiture fait un bruit bizarre à présent. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papy Dog. Il pourra nous dire. C'est une excellente idée, Maman Pig. Papy Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, Papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Oh. Oh. Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent. Merci beaucoup, Papy Dog. Oh non, George a fait tomber son éponge dans la boue. George, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je vais nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là, Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh. C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui. Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, oh, oh. Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman. Oh. Oh, Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh. Inutile de paniquer. Oh là là, tout le monde est trempé. Au moins la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Bien, on va aller escalader les échelles. Bonjour Suzy. Bonjour Danny. Bonjour, bonjour papa. Oui. À moi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer.
Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est! Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à bord, mes chers petits. Peppa, Georges, il ne faut pas oublier les gilets de sauvetage. Quand Peppa et Georges sont sur le bateau de mon papy, ils doivent mettre un gilet de sauvetage. Et comme on est sur mon bateau, c'est moi et moi seul le capitaine. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Et quand votre papy, le capitaine, vous dit quelque chose ou vous donne un ordre, vous lui obéissez sans discuter. Sauf si ce qu'il dit est une bêtise, évidemment. Le capitaine papy ne dit jamais de bêtises sur son bateau. Il a toujours raison, le capitaine papy. Georges, hisse le drapeau! Peppa, sonne la cloche! À vos ordres, capitaine! Mamie Pig, viens prendre la barre! À vos ordres, capitaine! En avant tous! En avant toutes! Papy Pig, ce serait mieux de ralentir un petit peu. C'est une excellente idée, Mamie Pig. Quand on diminue la vitesse, on dépense moins d'essence. Papy, moi j'aime bien quand on va à toute vitesse. Ne t'inquiète pas, Peppa, on va aller vite tout à l'heure. Mamie, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh non. Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux quatre vents. Vas-y, Babel. Allez, petit pâture, tu peux y arriver. Youpi, youpi. Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents. Oh, comme il est grand. Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau. Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les Bien le bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent. Continuez. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verre. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa. Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui.
rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh, oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui, oui! Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête! Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui, et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules. S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu? Non, pas du tout. Voyons ça. Elle est mieux que la nôtre, cette voiture. On pourrait la garder. Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa. Papy Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui. Quelle malchance, il commence à pleuvoir. Eh bien, nous allons remonter la capote. Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer. Mais oui, est-ce que je suis bête? C'est certainement celui-ci. La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace. Mais non, papa, c'est pas le bouton pour la capote. C'est celui-là. Oh non, c'est celui-là. C'est celui-là alors. Papa Pig a oublié quel bouton commande la fermeture de la capote. Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aide. Si on essayait le bouton rouge? Bravo! Oui! Oh, juste au moment où la pluie s'arrête. Est-ce qu'on peut redescendre la capote? Oui. C'était quel bouton en fait? C'était le bouton rouge! Bravo! Oui! Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig. On avance vraiment très, très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison. Il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir, Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir, Peppa. Bonne chance. Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour, petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà. Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig, debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates.
tempête. Nous sommes des naufragés. Mais nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens ! Oh ! C'est Papy Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, moussaillon ! Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, Lilo Pirate. À très bientôt. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage! Oh, en voilà d'autres! C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voitures. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Alors, en route! Nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, Maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Quelle vilaine maman. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. George, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on mâche bien. Quand George et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Mais moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Youpi! Et voilà! Bravo, Papa Pig! Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig, vous voulez de l'essence ou de l'air? Non merci, je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement, il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. Oh. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Wow. Désolée, je suis bloquée. Ouh là là, l'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog. Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs.
Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Madame Rabbit conduit le bus de l'école. Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont. Levez le doigt tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi, moi, moi! Et levez le doigt tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train Papy fait tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou tchou tchou. Le petit train Papy fait tchou 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 tout le temps. Quelle grosse flaque de boue! Il ne faudrait pas s'embourber. Il vaut peut-être mieux passer ailleurs. Ce n'est qu'une petite flaque de boue. Allons, Gertrude, tu peux y arriver. Allons, le bus, tu peux y arriver. Le bus est enlisé dans la boue. Bougre de boue. Bonjour, Madame Rabbit. Comment ça va aujourd'hui? Je patauge un peu. Vous pourriez me sortir de là? Mais certainement. Votre dépanneuse est assez puissante? Faites-moi confiance. Ça a marché? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant. Est-ce que je peux vous être utile? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil. Hé, j'ai une idée. Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue. Excellente idée, Madame Rabbit. Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue. À toute vapeur! Vas-y, Vas-y, Gertrude! Hourra! Oh, oh, bravo! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet. Jouet? Gertrude n'est pas un jouet! Gertrude est le train le plus génial du monde entier! Un, deux... Parti! Tu es parti avant, vieux tricheur! Attrape-moi si tu peux, escargot des fleuves! Marin de pacotille! Et dis-moi un peu, c'est ça que tu appelles aller vite? Maintenant, essaie de me rattraper! On l'a gagné! Oulala! Il n'y a plus d'essence dans le bateau de Papy Pig. Ce n'est pas malin, Capitaine Papy. Je reconnais que je suis allé un peu trop vite. Et comment on va rentrer? Regardez, c'est Papy Dog. Mais oui, Papy Dog va nous remorquer. Je refuse d'être ramené à bon port par le marin le plus lent du pays. Je n'ai pas dit que j'acceptais de te remorquer, cochon d'eau douce. Oh, est-ce qu'un jour vous allez grandir? Papy, allez, dis pardon à Papy Dog. Bon. Je te demande pardon pour t'avoir appelé marin de pacotille. Papy, à toi de dire pardon à Papy Pig. D'accord, je te demande pardon de t'avoir appelé escargot des fleuves. C'est gentil. Dis-moi, Papy Dog, puisque tout est arrangé, tu peux nous remorquer jusque chez nous? Mais ce sera avec grand plaisir, ma chère amie. Attrape-moi ça, capitaine. Merci à toi, commandant. Papy Dog et Papy Pig sont de nouveau amis. Papy Dog remorque Papy Pig jusque chez lui. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa! Bonjour! Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui! À condition
attention qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne, comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop. Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez! Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi! Oui! J'ai gagné! Bravo, Peppa! Merci, je suis très forte en vélo. Dans les descentes. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présents. Suzy Chip. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Émilie Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure. Attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hourra! C'est délicieux. Oh, les canards! Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés? Non, on peut reculer. Là, on est coincé. Oui. Oh mince, le bateau de papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine papa Pig. Feu. Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Vite, papa. Saute sur le bateau. Oh non, papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, papa Pig. Coupe le moteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur. Papa a dit coupe le moteur. Oh. Est-ce que ça va, papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine papa Pig. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui. Youhou. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh, oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, papa Pig. Oh, oh, ne t'inquiète pas, maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui! Et nous voilà au sommet de la grande pente.
Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh, Papa est la meilleure des grosses luges. Youhou. Oui. C'est nous qui allons gagner la course. Hourra. Peppa et George sont les vainqueurs. La meilleure des grosses luges. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle. Rires.